Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale hydrogène proposée par l'Université de Nantes. Je suis Christelle Bervas, chargée de la communication des partenariats économiques et innovation à l'Université. Et à mes côtés, Xavier de Bontride, journaliste. Bonjour Christelle. Pour qui l'hydrogène n'a plus de secret. Presque. Je suis très heureux d'être avec vous pour co-animer cette émission consacrée, Christelle vient de le dire, à l'hydrogène. J'ai eu le plaisir de coordonner la rédaction de cette UN Business News spéciale hydrogène et c'est de cela dont nous allons parler tout de suite. Oui, un dossier qui est consultable en ligne sur le site internet de l'université. Alors, on a beaucoup d'invités qui vont venir parler de ce sujet. On ne pourra pas rentrer dans les détails. On pourra se référer évidemment à ce magazine. Aussi pour vous dire que l'émission est enregistrée et sera consultable en replay sur notre chaîne YouTube qui compte 100 000 abonnés. Donc ça fait beaucoup d'auditeurs et de téléspectateurs potentiels pour ce sujet passionnant. Alors c'est une émission qui va être effectivement très, très rythmée. Nous avons beaucoup d'invités, Christelle l'a dit. Et puis pour venir nous interpeller, nous faire sourire certainement aussi, nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau en direct le dessinateur de presse Frappe, bien connu des lecteurs de Presse Océan, qui interviendra avec le talent qu'on lui connaît sur les différentes séquences que nous allons pouvoir vous présenter. Je pense que ça ne va pas tarder. Voilà, vous allez guetter certainement dans quelques instants sur votre écran les premiers croquis de Frappe. Et puis un petit mot aussi juste pour dire qu'on voilà, est en commence. Direct sur Zoom et qu'il y a la possibilité de poser des questions. Florence, qui viendra sur le plateau tout à l'heure, Florence Pommier, ingénieure filière à l'université, se fera un plaisir d'essayer de répondre en direct à vos questions. Mais peut-être pouvons-nous commencer, Xavier, tout de suite. On va tout de suite commencer en accueillant la présidente de l'Université de Nantes, Karine Bernot, qui va nous rejoindre tout de suite. Karine Bernot, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes donc la présidente de l'Université de Nantes, mais aussi vice-présidente de l'IRT Jules Verne. Alors, on ne va pas vous interroger sur l'hydrogène, on sait bien, on imagine que vous n'êtes pas spécialiste, mais peut-être que vous pouvez nous parler de l'innovation et aussi de l'importance que cela revêt pour l'université d'être présente sur le territoire, dans l'écosystème, avec les entreprises. Oui, en effet, en fait, pour dire les choses simplement, on pourrait dire l'innovation, c'est une des missions de l'université. Au même titre que la formation et la recherche. En fait, l'idée d'une université, c'est que c'est un lieu où on crée des connaissances et on a vocation à les partager. C'est-à-dire ces connaissances, on ne les garde pas pour nous. Alors, on les partage eh bien, par la formation, évidemment, initiale ou continue, par la publication de nos activités de recherche, mais aussi par l'innovation. C'est par le lien aussi avec le milieu socio-économique qu'on s'assure finalement que le résultat des recherches eh bien, va s'appliquer et va contribuer à l'évolution de la société parce que c'est ça, finalement, la mission suprême, on pourrait dire, de l'université, c'est d'être actrice des changements de la société. Et quand on dit acteur des changements de la société, ça implique de vulgariser au maximum, de pouvoir porter la connaissance le plus loin possible. C'est ce qu'on va tenter de faire durant cette émission. Et c'est un sujet, évidemment, quand on parle d'énergie, qu'on parle de mobilité, qu'on parle d'aménagement du territoire, tout ça sont des thèmes qui vous intéressent. Exactement. Et puis ce sont des thèmes qui sont au cœur aussi du projet de nouvelle université qui va voir le jour au début de l'année 2022. Et une des caractéristiques, une des originalités de cette nouvelle université, c'est qu'un de ses membres, c'est l'IRT Jules Verne, donc l'Institut de Recherche Technologique, au même titre que le CHU, l'INSERM, Centrale Nantes, l'École des Beaux-Arts, l'École d'Architecture. L'IRT va participer à la définition de notre stratégie commune, va la mettre en œuvre. Et donc, très concrètement, ça veut dire que ça va nous permettre voilà, d'avoir un périmètre d'intervention extrêmement large de la recherche qu'on qualifie parfois d'amont ou fondamentale à l'application
très concrète, avec une diversité de compétences, aussi bien en santé qu'en sciences et technologies, en sciences humaines et sociales. Donc, c'est-à-dire avec une vraie complémentarité aussi entre les disciplines. Et c'est un élément essentiel parce qu'on voit bien que aussi l'évolution des techniques, des technologies pose des enjeux en termes, par exemple, d'évolution de la réglementation ou d'acceptabilité qui mobilisent l'ensemble des compétences de l'université. Et puis, par ailleurs, on peut souligner aussi quand même que c'est un des enjeux de l'ICIT, le label d'excellence sur lequel est appuyé Nantes Université. Les deux piliers sont la santé du futur, l'industrie du futur, et le lien avec les acteurs du monde socio-économique, secteur privé, secteur public, milieu culturel, sont au cœur du projet. Oui, je voulais insister là-dessus parce que c'est vrai que ce lien entre entreprise et recherche et monde académique, il est essentiel. Il sera au cœur de votre projet, exactement. Vous venez de le rappeler. Et on va le voir au travers de ce dossier hydrogène, de ce passionnant voyage au cœur de la molécule avec des chercheurs, des représentants du monde économique aussi, que finalement ces gens-là se parlent, se connaissent bien et font avancer ensemble la recherche et les découvertes. Eh bien, merci Karine. On va tout de suite accueillir notre prochain invité. Qu'on va présenter dans quelques instants, le temps que vous puissiez nous quitter. Et le prochain invité, c'est Olivier Joubert qui va pouvoir nous rejoindre. Bonjour Olivier, vous êtes... professeur à Polytech Nantes, chercheur à l'Institut des matériaux de Nantes Jean Rouxel, mais aussi spécialiste de l'hydrogène depuis plus de 30 ans, et aussi tout nouveau directeur de la Fédération de recherche hydrogène du CNRS, qui est une belle reconnaissance. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur cette fédération ? En deux mots, ça va être très court. Donc, c'est une fédération, c'est une structure du CNRS qui rassemble à peu près 30 laboratoires. En fait, alors, l'idée, c'était de rassembler dans une même structure, sans mur, l'ensemble des équipes au niveau national, du CNRS et universitaire, travaillant dans le domaine de l'hydrogène, c'est-à-dire la production d'hydrogène, son stockage et sa conversion en énergie électrique. C'est 30 laboratoires, 30, on va dire, équipes, et c'est à peu près 300 chercheurs permanents. Alors, on parle depuis le début de cette émission beaucoup d'hydrogène et on n'a pas encore pris le temps de définir l'objet de notre étude. Est-ce que vous pouvez nous éclairer ? La question est plus complexe qu'il n'y paraît, je le sais, mais je vous la pose quand même. Je dirais que maintenant, il y a 70 millions de spécialistes de l'hydrogène. Mais donc, je vais donner quelques petits mots. Comme les sélectionneurs au foot, c'est la même chose. Voilà. L'hydrogène, c'est un atome, mais c'est surtout une molécule H2, qu'on appelle aussi dihydrogène, qui est extrêmement, énergétique. Pour donner une idée, c'est dans un gramme d'hydrogène, on a trois fois plus d'énergie que dans un gramme d'essence. Ça, c'est intéressant, évidemment. Voilà. Donc, c'est une molécule qui est largement utilisée pour faire de la combustion. On pense souvent aux fusées avec les moteurs hydrogène. Mais c'est une molécule aussi qui est largement utilisée pour produire d'autres choses. Donc, l'industrie agroalimentaire, par exemple, pour produire des engrais. Donc, il y a l'hydrogène aussi à la base. Et puis, quand on produit notre essence, on utilise aussi beaucoup d'hydrogène. Ça, c'est une utilisation actuelle. Et puis, l'utilisation future, c'est le vecteur énergétique hydrogène pour la mobilité, notamment des voitures à hydrogène. C'est ce dont on parle évidemment beaucoup en ce moment. Mais cet hydrogène, on ne le trouve pas comme ça à l'état naturel ou pas beaucoup et c'est compliqué. Il faut le produire. Et j'allais dire, c'est là que ça devient peut-être un peu plus compliqué. En effet. Alors, il se trouve que l'hydrogène est effectivement un vecteur et non pas une source d'énergie. Mais on trouve de plus en plus d'hydrogène naturel dans des endroits un peu reculés du monde, en Afrique, en Russie. Ah, donc là, on produit de l'hydrogène. Alors, il y a plusieurs façons de produire de l'hydrogène. Et la façon dont on va produire l'hydrogène donne une certaine couleur à l'hydrogène. Couleur théorique. Normalement, il est invisible. Hydrogène, voilà. hydrogène gris, c'est à partir d'hydrocarbures, donc des sources fossiles. C'est la grosse majorité. 96% malheureusement, mais il n'est pas cher. Et à côté de ça, il est 4%. Bon pour la planète. Oui, le bilan carbone n'est pas terrible. Tout à fait. Un kilogramme d'hydrogène produit, c'est 10 kg de CO2 émis. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas très bon pour la planète. Il y a des alternatives. L'alternative, c'est l'électrolyse. L'électrolyse, c'est-à-dire qu'on envoie de l'électricité, on produit simplement de l'hydrogène et de l'oxygène, mais l'oxygène, en général, on ne le garde pas, il est rejeté dans l'atmosphère. Et puis, quand on parle d'hydrogène vert, là, celui qui suscite toutes les attentions et qui focalise beaucoup de commentaires en ce moment. Alors, l'hydrogène vert, en fait, tout simplement, c'est qu'on utilise de l'électricité verte, donc d'origine renouvelable, l'éolien, l'hydroélectrique, le panneau photovoltaïque, toutes ces sources d'énergie qui utilisent, on va dire, un peu le soleil comme source d'énergie. Ça fonctionne.
Et ça fonctionne très pas seulement dans vos laboratoires. Parce que là, on a l'impression que c'est parfois un petit peu difficile de quitter le stade expérimental, même si les recherches sont connues depuis de nombreuses décennies. Non, l'électrolyse fonctionne depuis de très nombreuses années, mais le coût de l'hydrogène produit par l'électrolyse, c'est à peu près 4 fois celui produit par les hydrocarbures, donc les sources fossiles. Donc un problème de concurrence avec les énergies disponibles. Pour l'instant, ce n'est pas rentable. Oui, on va dire que ce n'est pas rentable. Après, si, comme on prédit, le prix des carburants augmente, là, on va devenir un peu et largement concurrentiel. Alors, Christelle le rappelait, vous êtes le nouveau directeur de la Fédération de recherche hydrogène du CNRS, que vous allez animer dans une logique un petit peu transdisciplinaire avec des chercheurs venus de toute la France. Alors, des chercheurs venus de toute la France, y compris en Corse, en Réunion, à La Réunion. Donc, nous avons des collègues qui travaillent activement sur la recherche et des domaines qui couvrent largement en compétences. On va de la philosophie, de l'histoire des sciences, on aura quelques exemples tout à l'heure, jusqu'à l'insertion de systèmes ou l'étude de systèmes hydrogène. Alors, le système, qu'est-ce que c'est ? C'est notamment l'électrolyseur, mais tout ce qui va à côté, aux alentours autour de l'électrolyseur. Et ça fait pas mal d'équipements, hein. Ça prend de la place souvent. C'est beaucoup d'équipements dans beaucoup de laboratoires. Alors juste pour revenir au niveau local, puisqu'on parle souvent au niveau régional, au niveau de Nantes, on a 3 laboratoires qui sont dans la fédération, l'IMN dans lequel je fais partie, l'IRENA et le LTEN. On aura l'occasion de revoir un peu plus tard en détail toute cette galaxie, cet écosystème, comme on dit maintenant. Peut-être une dernière question, il y en aurait beaucoup d'autres, mais sur l'état de la recherche aujourd'hui. Le gouvernement a annoncé en début d'année le lancement d'un imposant plan hydrogène doté de 7 milliards d'euros. C'est évidemment un coup d'accélérateur qui va permettre de passer à la vitesse supérieure. Les 7 milliards sont liés à une double dynamique, à la dynamique industrielle. Premièrement, je pense que les industriels maintenant sont convaincus que l'hydrogène fait partie de la, entre autres, de la transition énergétique. Donc on a des industriels convaincus et puis à la fois le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche qui est aussi convaincu et qui a permis de mettre en place donc ce plan de relance avec 7 milliards, dont 65 millions pour la recherche. Et donc évidemment, les laboratoires que vous venez de citer auront des retombées de cette manne nationale. Je l'espère, on attend les résultats, les arbitrages. Et puis, on va pouvoir commencer, à commencer à travailler sur ce plan de relance. Mais ça fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, 30 ans qu'on travaille dans le domaine de l'hydrogène. Et c'est vrai qu'on voit on voyait à l'écran à l'instant des chiffres sur l'ensemble de la filière, le nombre d'emplois, etc. Les perspectives économiques sont prometteuses et laissent à penser que si la généralisation des dispositifs se met en place, on pourra avoir une véritable filière. Le premier enjeu, c'est produire de l'hydrogène vert, on va dire. Hein, d'accord ? Donc, si on veut produire de l'hydrogène vert, il faut produire des électrolyseurs. Donc, il y a toute la filière industrielle qui se met en place pour produire des électrolyseurs. Il va y avoir des gigafactories d'électrolyseurs. Il va falloir aussi que ces électrolyseurs soient performants et durables. Et donc là, l'activité de recherche, en partie, va travailler sur l'amélioration de la durée de vie de ces électrolyseurs. Alors Olivier Joubert, vous restez avec nous. On va accueillir dans quelques instants Florence Pommier qui va nous présenter justement, j'en parlais tout à l'heure, de l'écosystème, n'est-ce pas Christelle Nantais. Elle va nous rejoindre, c'est maintenant. Bonjour Florence. Bonjour. Et bienvenue. Florence est ingénieure filière énergie au SPIE, le service partenariat innovation et entrepreneuriat de l'Université de Nantes. Peut-être un petit mot, Florence, pour nous dire déjà, c'est quoi votre mission à l'université ? Les ingénieurs filières, ils font quoi ? Donc, je fais partie de l'équipe d'ingénieurs filières de l'Université de Nantes, qui est mise en place dans le cadre du dispositif Filinov. Et donc, nos missions sont de développer les partenariats entre les laboratoires de recherche et le monde socio-économique et d'accompagner les projets d'innovation.
Ok, très bien. On va peut-être mettre à l'écran la carte, la cartographie des compétences des différents laboratoires. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cet écosystème? Oui, donc de nombreux chercheurs de l'université, enfin des laboratoires de l'Université de Nantes et plus largement du GISPERL, donc qui est le pôle d'excellence de la recherche nigérienne en énergie, sont mobilisés autour de l'hydrogène. Ce sont 9 laboratoires qui sont concernés, ce qui représente un peu plus de 30 chercheurs et enseignants-chercheurs permanents. Donc tous ces laboratoires travaillent sur des thématiques de recherche qui leur sont propres. Et vous en citez quelques-unes pour nous éclairer peut-être? Oui, bien sûr. Donc on a la science des matériaux, le génie électrique, le génie des procédés, la chimie, la thermique et l'hydrodynamique et aussi les aspects économie et épistémologie. Et tous ces chercheurs qui appartiennent à des laboratoires différents, ils travaillent quand même ensemble sur des projets communs, c'est ça l'idée? Ah bah oui, oui, pour adresser tous les aspects d'une problématique de recherche et développement, tous ces chercheurs savent effectivement travailler ensemble. Vous avez des exemples justement de réalisations conjointes qui sont co-portées comme ça? Et bah, par exemple, sur la production d'hydrogène, le CESAM et l'IMN collaborent sur la production d'hydrogène par voie solaire. On a le Léa aussi qui travaille sur la production d'hydrogène via les systèmes EMR flottants. Les énergies marines renouvelables, hein, c'est exactement. Ça. Et l'IMN qui collabore avec une entreprise régionale sur la production d'hydrogène via la valorisation de déchets organiques. Et aussi avec le GEPEA aussi. Voilà. Alors justement, Olivier, vous reprenez la parole et vous avez raison de le faire parce que ça, l'intervention de Florence montre qu'il y a une espèce de galaxie, on a vu la carte là, hein, qui travaille ensemble et qui a cette habitude de proposer des sujets. Ça marche comment? Ce sont les chercheurs eux-mêmes qui sont à l'initiative des champs d'expérimentation qu'ils ont envie d'explorer? En effet, c'est souvent, on va dire, notre activité qui, mélangée avec une activité connexe, va permettre d'avoir au final un projet qui peut aussi intéresser les industriels. On est toujours aussi dans l'attente d'avoir un industriel petit ou gros, hein. Ça peut être une start-up de la région ou ça peut être Air Liquide par exemple ou Total, pour pouvoir monter et essayer d'entraîner l'industriel avec nous dans un projet. C'est pas facile parce que souvent le fossé entre l'académique et l'industriel est large. Les temps ne sont pas les mêmes notamment. Alors, on parle aussi, en préparant le dossier qui a permis justement d'interviewer de nombreux chercheurs sur l'hydrogène et cette richesse ici à l'Université de Nantes, ce qui m'a frappé, c'est de voir qu'il y avait toujours un objet qui revenait régulièrement dans les conversations, la fameuse pile à combustible, et j'ai compris très rapidement que c'était pas du tout facile à manipuler et un peu compliqué. Ce sont des travaux sur lesquels également les chercheurs de ces différents laboratoires travaillent et collaborent. Oui, 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 il y a beaucoup de travaux autour de la pile à combustible, haute, moyenne ou basse température. Voilà, il y en a plusieurs, hein, c'est ça, vous avez raison de le rappeler. Les chercheurs travaillent aussi sur l'intégration des piles à combustible dans les chaînes de traction pour des applications maritimes ou automobiles. Il y a énormément de travaux tout autour de cet objet, oui. Et là, je parle sous le contrôle des spécialistes. Vivement l'hydrogène vert, voilà le petit dessin de frappe. Effectivement, ce qui est intéressant dans le GIS-PERL, c'est que finalement, tous les compartiments du spectre sont plus ou moins couverts. En fait, hein, les compétences et les disciplines permettent de tracer toute la chaîne de valeur lorsqu'on s'intéresse à ces sujets. Effectivement, et puis on a les laboratoires qui permettent aussi d'adresser les aspects un peu plus sociétaux sur l'acceptabilité ou l'économie de l'énergie. On en parlera en fin d'émission, vous restez évidemment avec nous sur ces sujets. Olivier Juste un petit commentaire, c'est que, bon, bien sûr, il y a le système régional qu'on a vu tout à l'heure, hein, qui est intéressant, mais en général, on ne trouve pas obligatoirement toutes les compétences au niveau régional et souvent, on va vers le national et surtout vers l'international, sachant que bon, l'Europe est proche de nous. Les Allemands, par exemple, interagissent beaucoup avec nous. Donc, on a des projets à la fois régionaux, avec la région qui finance nos projets, nationaux avec l'ANR par exemple qui finance aussi, ou l'ADEME, et puis européens avec l'Europe qui finance aussi. Il y a des activités partout dans le monde, hein, sur l'hydrogène, il n'y a pas qu'en France. Et donc nous avons beaucoup de relations avec nos chercheurs et collaborateurs étrangers.
Merci pour ces précisions. Vous avez effectivement bien aidé, vous nous avez bien aidé, Florence, à la rédaction et à la compréhension de cet écosystème. Vous étiez spécialiste au départ de ces questions-là Pas spécialement hydrogène, après sur les thématiques plutôt énergie au sens large. Voilà. Et c'est vrai que vous confirmez que cette molécule, elle prend une place de plus en plus importante, en tout cas dans le débat public et médiatique. On en entend beaucoup parler en ce moment. Oui. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir éclairés. Merci. Christelle. Merci, Florence. Et puis, maintenant, on va accueillir Philippe Jean. Philippe Jean, bonjour. Merci d'être avec nous également. Vous êtes le directeur adjoint de la CCI des Pays de la Loire. Mais vous êtes aussi le président du comité directeur du GISPERL. On en a parlé avec Florence, mais peut-être pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Oui, peut-être préciser en quelques mots ce qu'est ce GISPERL, qui est donc un groupement d'intérêts scientifiques qui regroupe les chercheurs régionaux dans le domaine de l'énergie. Donc on a vu, et Florence en a très bien parlé, tous les champs que couvrent ces domaines liés à l'énergie, que ce soit les matériaux, l'électronique, le génie des procédés. Eh bien, l'objet du GIS, c'est de faire en sorte que, comme les projets d'énergie sont des projets de système et qu'ils font interagir toutes les dimensions, toutes les technologies, c'est que les chercheurs travaillent ensemble. C'est le premier objectif du GIS. Le deuxième objectif du GIS, c'est de faciliter aussi la lecture de la recherche dans le domaine de l'énergie par les entreprises. Et donc, c'est une porte d'entrée, un facilitateur pour donner l'accès. Ça représente à peu près 220 chercheurs en région, 15 laboratoires, 220 chercheurs permanents, je précise. Et à côté de ça, des doctorants et des stagiaires qui viennent compléter les équipes. Donc c'est quand même une force de frappe impressionnante pour pouvoir traiter ces sujets. Alors, vous représentez évidemment sur ce plateau le monde des entreprises, Philippe Jean. Et on sait qu'elle s'intéresse beaucoup au sujet de l'hydrogène. J'allais dire, c'est pas si nouveau que ça. Ça fait longtemps qu'elles observent et qu'elles utilisent d'ailleurs pour certaines d'entre elles ce type d'énergie. Alors, quand vous dites les entreprises, c'est un monde très très vaste. Alors effectivement, l'hydrogène, c'est pas nouveau pour certaines d'entre elles. L'hydrogène, ça fait plus d'une centaine d'années que des spécialistes dans le domaine du raffinage, dans le domaine de la sidérurgie, dans le domaine du travail du verre, dans le domaine des engrais, comme l'a cité tout à l'heure Olivier, sont utilisatrices de l'hydrogène. L'hydrogène gris, l'hydrogène produit à partir d'hydrocarbures massivement, mais en tout cas, c'est connu. Ce qui est plus récent, c'est une nouvelle famille. Pourquoi ? Parce que depuis quelques années, avec l'émergence notamment de toutes ces énergies renouvelables, on a perçu qu'il y avait un enjeu dans la transition énergétique. C'était la question du stockage de l'énergie, la question aussi de la décarbonation d'un certain nombre d'activités. Et là, l'hydrogène peut jouer un rôle majeur comme vecteur dans cette transition. Et du coup, ça intéresse des nouvelles entreprises. Ça intéresse les nouvelles entreprises parce qu'il y a plein de solutions inventées. Donc il y a des offreurs de solutions qui sont des entreprises qui vont développer des réponses en matière de production, de stockage, de distribution, d'usage de l'hydrogène. Et là, ces entreprises-là, elles ont à lever beaucoup de verrous technologiques. Et donc elles ont vraiment besoin de travailler en collaboration étroite avec la recherche pour trouver des solutions qui vont permettre et de baisser le prix et de renforcer la fiabilité. Vous pouvez donner quelques exemples? C'est pas confidentiel défense pour certaines d'entre elles? Ah, pour certaines d'entre elles, si. Si, voilà. Si. Donc j'en parlerai pas. Mais pour un certain nombre d'entre elles, il n'y a pas de souci. Il y a des projets qui sont élaborés en collaboration avec les universités. Par exemple, Olivier, mais il pourra le dire beaucoup mieux que moi, travaille lui sur l'intérieur de la pile à combustible avec des entreprises qui sont des futurs industriels qui vont déployer ces solutions-là pour, par exemple, la mobilité des véhicules. Autre application, autre objet, autre sujet de recherche, c'est le travail sur la combustion de l'hydrogène dans des moteurs thermiques. Et là, on a des entreprises comme Man Energy Solutions, ici en région, qui travaille sur ces sujets avec des laboratoires. Alors, on parle beaucoup sur ces sujets d'expérimentation et c'est toujours intéressant de voir leur degré de maturité. Qu'est-ce qui vous paraît le plus prometteur dans ce domaine de l'hydrogène, Philippe, s'il fallait faire un petit top 3 ou top 4 de ce qu'il faut vraiment suivre avec attention dans les mois et les années qui viennent? Alors,
comme je vous l'ai dit, le sujet il est hyper vaste. Donc il y a beaucoup de gens qui travaillent sur plein de sujets. Et en fait, on voit que progressivement, les spécialités, je vais dire, se territorialisent. C'est-à-dire que les régions, les territoires, dans France, dans le monde, se positionnent sur l'hydrogène de façon différenciée en fonction de leur savoir-faire. Et nous ici, qu'est-ce qui nous différencie d'autres territoires? C'est déjà la proximité de la mer. Donc c'est toutes les applications maritimes, fluviales, portuaires. C'est aussi le lien avec les énergies marines. Donc des sujets à suivre en particulier sur notre région. Je citerai le couplage entre la production d'énergie marine et la production d'hydrogène. Une société comme Life, par exemple, est en train de développer un prototype qui sera installé au large du Croisic sur ce sujet. On peut citer aussi tout ce qui concerne la production d'hydrogène par biomasse. On a plusieurs entreprises en région. Je citerai Kéros, Imouv, qui sont par exemple des porteurs de projets dans ces domaines-là. On a aussi tout ce qui concerne la transformation des motorisations de véhicules. J'ai cité MAN tout à l'heure, mais je pourrais citer Europe Technologies, je pourrais citer Dintec, qui sont des entreprises régionales qui travaillent sur ces sujets. Et puis, sujet peut-être encore un peu futuriste, tout ce qui concerne le stockage de l'hydrogène, les réservoirs, et notamment les réservoirs d'hydrogène liquide, qui vont peut-être être une rupture technologique, qui vont nous permettre, peut-être un jour, de monter dans des avions qui seront propulsés. Voilà, c'est l'aéronautique qui est concernée par ce projet. Absolument. Olivier, on a entendu les panoramas des possibles avec Philippe Jean à l'instant. Tous ces sujets-là, vous les connaissez bien, vous les suivez. Il y a une accélération là depuis quelques mois sur ces sujets-là. On voit complètement cette accélération. Je dirais même au niveau national, quand on voit le nombre d'entreprises qui se mettent sur l'hydrogène. Alors, on parlait de Life, hein. Là c'est une entreprise locale, c'est vraiment extraordinaire. Mais au niveau national, il y a effectivement un accroissement des activités sur la production d'hydrogène. Bon, l'hydrogène c'est quand même un outil hyper efficace pour stocker les énergies intermittentes renouvelables. L'éolien, le solaire, ça va être l'outil indispensable, comme pourraient l'être aussi les batteries. Hein. Les deux, l'hydrogène batterie, ne sont pas à mettre en opposition. Et les deux vont permettre... C'est pas les mêmes usages. Voilà, ça se complète, je dirais. C'est le mix énergétique. C'est complémentaire. Et là, il ne faut jamais mettre les deux. Dans une voiture à hydrogène, vous avez encore des batteries, des batteries électriques et de l'hydrogène. L'intérêt de la voiture à hydrogène, c'est qu'on fait le plein en 5 minutes d'hydrogène et on a 600 ou 700 km d'autonomie. Alors, on parlait tout à l'heure de démarches territorialisées, d'ancrage sur des points forts du territoire. On peut peut-être s'arrêter sur deux exemples dont on a parlé dans le dossier de l'UN Business News. Je veux citer Estuaire et H de Loire-Vallée. Est-ce que, Philippe, vous pouvez nous éclairer un petit peu sur l'étendue de ces programmes qui sont très ambitieux, qui s'inscrivent eux aussi dans la durée? Oui, alors tout à fait, parce qu'ils traduisent vraiment la dynamique du territoire autour de ces sujets qui sont liés aux activités maritimes et portuaires. S'agissant d'Estuaire, qui est le premier que vous avez cité, alors il s'agit d'un projet qui couple à la fois une collectivité, la Carène, le grand port de Saint-Nazaire, une entreprise que j'ai déjà citée, MAN Énergie Solutions, et puis les laboratoires de l'Université de Nantes. Et donc, ils travaillent ensemble sur la construction avec un bureau d'études spécialisé qui s'appelle Acajoul. Ils travaillent ensemble sur l'aménagement de solutions. On voit passer à l'écran là, le port de Saint-Nazaire, c'est un aménagement de solutions adaptées au contexte portuaire pour que, pour faire simple, on optimise l'énergie à l'échelle du port. Ça veut dire quoi? Par exemple, MAN Énergie Solutions, lorsqu'il fait des essais de bateaux, des essais de moteurs, produit de l'énergie qui est ce qu'on appelle de l'énergie fatale. Eh bien, l'idée, c'est d'utiliser cette énergie, par exemple, dans l'atmosphère, c'est ça. Voilà. Par exemple, pour produire de l'hydrogène qui va être stocké et qui servira ensuite à des usages sur le port. On peut aussi imaginer, dans ce projet en tout cas, de couvrir un certain nombre de bâtiments industriels par des panneaux photovoltaïques et ainsi de suite. Donc bref, tout un réseau, on appelle ça un réseau électrique intelligent, smart grid, de l'énergie sur l'espace porteur. Ça, c'est pour le projet. Ça, c'est pour le projet. Oui. Olivier, vous vouliez. Si je peux intervenir au niveau de la recherche, moi, je pense qu'il y a. J'entends des idées très, très intéressantes. Actuellement, il y a une grosse activité sur la production d'hydrogène par électrolyse dite haute température. Ça permet de diminuer l'énergie électrique qu'on va y mettre pour produire de l'hydrogène, tout en y incluant de la chaleur. Si cette chaleur elle est gratuite, dite chaleur fatale, alors on produit de l'hydrogène quasiment deux fois moins
disons plus bas au niveau des coûts que l'hydrogène actuel. Et là, on redevient compétitif par rapport aux autres énergies. C'est ça, c'est une activité qui est de recherche, hein, parce qu'il y a encore pas mal de choses à faire. Je dirais qu'on est à l'étape où on a quasiment un système de prêt. Et puis, beaucoup plus en amont de ça, on a des nouveaux systèmes qui se développent dans les laboratoires, dites céramique protonique, par exemple. Et là, on va encore diminuer la température, on va augmenter les rendements. Et puis, à côté de ça, j'entendais parler de porc. Et qui dit porc dit obligatoirement eau salée. Oui. Et donc, si on peut utiliser aussi l'eau salée pour produire de l'hydrogène, je pense que ça pourrait être une révolution. Ce qui est aussi un terrain d'avenir, puisqu'on voit bien plusieurs projets se développent autour, comme je le disais, couplage énergie marine, production d'hydrogène en mer, peut-être demain sur des plateformes où on viendra directement pomper l'eau de mer pour la transformer en hydrogène à partir d'énergie produite par des grandes éoliennes au large des côtes. Donc il faut aussi voir la stabilité de nos systèmes en présence d'eau salée, c'est-à-dire des environnements très corrosifs. Absolument. Et puis pouvoir utiliser l'eau salée, je dirais presque directement dans un électrolyseur pour produire de l'hydrogène, moyennant quelques précautions. Voilà, tout à fait. Voilà, juste pour revenir. C'est intéressant de vous écouter avec la passion qui vous anime l'un et l'autre sur ce sujet. C'est un petit peu la préfiguration, j'imagine, des discussions qui peuvent y avoir au sein du GISPERL, hein, entre Absolument. Croiser vos regards, vos expertises pour trouver des solutions. Absolument. Il y avait un autre sujet dont vous souhaitiez parler. Juste pour revenir quelques instants sur ce projet Hydrogène Loire-Vallée, H2 Loire-Vallée, parce qu'en fait, il est aussi symbolique de ce qui se passe sur ce territoire. On est sur un estuaire avec des activités portuaires, des activités fluviales, des activités maritimes, donc de la logistique lourde, donc de la manutention, donc des transport avec des quantités importantes d'énergie à manipuler. Là aussi, ce projet travaille sur des solutions qui seront, j'espère, made in Pays de la Loire pour apporter des réponses sur tout ce qui est navigation, engins de manutention, engins de distribution aussi. Et là, je reciterai à nouveau l'entreprise Europe Technologies, puisque d'ici la fin de l'année, nous devrions pouvoir voir sur ce territoire un engin qui va permettre de distribuer l'hydrogène près du poste d'usage à partir d'une station de production. Est-ce qu'un engin qui sera mobile ? Un engin mobile. D'accord. Vous ne pouvez pas en dire trop à ce stade ou... Juste dire son nom, il s'appellera le MC500. Le MC500. D'ici la fin de l'année, on prend les rendez-vous pour aller le voir en situation. Il a déjà trouvé peut-être un terrain d'accueil. Il a trouvé un premier terrain d'accueil qu'on peut aussi évoquer. C'est sur le port de la Turballe où il viendra distribuer de l'hydrogène à un tracteur qui va être utilisé, un tracteur qui a été converti récemment par une société vendéenne qui s'appelle INEO et qui va donc être utilisé par l'entreprise de travaux publics Charrier pour faire de la manutention d'objets sur le port de la Turballe. À vous écouter, à travers ces deux exemples, on a l'impression finalement qu'il y a des bonnes fées qui se penchent sur les acteurs, qui les mettent en connexion et que finalement on arrive à produire des résultats. J'imagine que ce n'est pas si simple que ça. Il y a des verrous forcément, des difficultés techniques, réglementaires sans doute également, et financières, on n'en parle pas trop. Qu'est-ce qu'il va falloir surmonter pour aller encore plus vite ? Probablement accélérer la mise en place du jeu d'acteurs. Comme vous le dites, on a des réponses qui sont apportées sur le plan financier avec le soutien massif de l'Europe et de l'État. Mais maintenant, il faut aussi qu'on arrive à trouver des conditions rapides. Et là, je fais appel à la recherche parce qu'il faut baisser le prix de l'hydrogène pour que les usagers s'en emparent. Ça, c'est vraiment le point essentiel. Mais la pédagogie avec laquelle vous accompagnez vos initiatives pour justement décrire les process de fabrication, les usages possibles, etc., contribue aussi à une meilleure connaissance de cette énergie, de ce véhicule, de ce vecteur d'énergie. On a inventé le tracteur qui tracte son énergie. Voilà, c'est la boucle est bouclée, trop fort. Dans la chaîne de valeur dont on a parlé, hein, dont on parle depuis un certain temps, il y a la distribution, on vient juste de voir. Je pense que c'est un point clé, hein, parce que pour l'instant, je dirais que l'hydrogène dans ses applications, on commence à voir qu'on va l'utiliser du véhicule personnel, ou plutôt du véhicule utilitaire léger jusqu'au poids lourd. On parle de train à hydrogène, on en a déjà vu, il y en a déjà en fonctionnement en Allemagne, jusqu'à l'avion, puisqu'on en a parlé avec Airbus. Et il y a la distribution. Et il va manquer ces stations-service. Donc c'est aussi très, très bien qu'il y a. C'est un enjeu important. Et vous savez que même dans la distribution, quand on va faire le plein d'hydrogène, eh bien, la recherche est déjà derrière, parce qu'il faut pressuriser l'hydrogène. C'est un gaz extrêmement énergétique.
en masse, hein, mais en volume, il faut diminuer son volume. Donc voilà, ça, c'est un gros problème. C'est les réservoirs d'hydrogène qui sont très gros. Et un moyen de diminuer sa place, c'est de les liquéfier. Donc on parle aussi d'hydrogène liquide, mais on parle aussi d'ammoniac, qui était un moyen de transporter l'hydrogène. Dans les bateaux, on parle aussi beaucoup de bateaux qui vont transporter l'hydrogène sous forme d'ammoniac. Alors, je pense que celles et ceux qui nous suivent derrière leur écran s'interrogent aussi sur des usages peut-être domestiques. On parle beaucoup de véhicules à hydrogène. C'est une réalité, y compris pour la voiture de monsieur et madame tout le monde C'est déjà une réalité, ouais. Puisque si vous allez à Paris, vous pouvez prendre aujourd'hui un taxi de la société Hype. Je ne fais pas de publicité, mais c'est l'opérateur qui a aujourd'hui un parc d'une centaine de voitures, taxis, sur l'île de France et qui envisage de considérablement la faire croître. Donc c'est déjà, le véhicule existe, des véhicules existent en quelques petites unités sur notre territoire, mais c'est aussi en développement. Et puis, puisque vous parlez des applications domestiques ou des applications hors mobilité, je voudrais juste citer ce qui est en train de se développer aussi sur le stationnaire. Vous savez qu'il y a beaucoup d'activités, par exemple dans le domaine de l'événementiel, quand on organise en plein air, dans des terrains parfois un peu isolés, des manifestations, il faut produire de l'énergie, ne serait-ce que pour animer l'ensemble des supports nécessaires à la réalisation. Eh bien, demain, on va pouvoir remplacer des groupes électrogènes, diesel, par des groupes électrogènes, hydrogène. Et ça existe déjà sur le marché. Et ça, évidemment, la nature vous dit merci, puisque s'il n'y a pas de rejet, il y a zéro émission. Zéro émission. Si, un peu d'eau. Un petit peu d'eau, voilà. Et de la chaleur. Ouais, dans les festivals, généralement, la chaleur, elle est produite d'autre manière. Merci beaucoup. Est-ce que Christelle, qui nous suivait attentivement, vous regardez l'heure aussi, vous avez raison, on est bien dans les temps pour l'instant. On est hyper bien. Hein. On est pas mal, alors qu'on a effectivement, on peut vous faire cette confidence, beaucoup de choses à aborder. Et évidemment, les spécialistes vont peut-être trouver qu'on va un petit peu rapidement sur certains aspects. C'est pour ça qu'on vous renvoie sur le dossier qui, lui, a pris le temps d'expliquer les choses avec rigueur et démonstration. Les nouveaux taxis. Voilà, c'est toujours ça qu'on n'achète pas. Ah ben voilà, aux Arabes, dit notre ami Frappe. Toujours dans la pointe aiguisée. Merci beaucoup à tous les deux pour cet éclairage, effectivement, hein, qui nous permet de vraiment de bien montrer le lien très, j'allais dire presque naturel, entre le monde économique, le monde de l'entreprise, les laboratoires de recherche et cette espèce de fertilisation croisée là, dont vous nous avez l'un et l'autre parlé, va être intéressante à suivre dans la durée. N'est-ce pas, chère Christelle? Oui, et maintenant, on va accueillir Bruno Viti, qui va venir prendre la place de Philippe Jean. Et on va parler, vous allez voir, avec les étudiants. Et Christelle, vous allez nous présenter Bruno. Oui, alors Bruno Viti, il est professeur à Polytech Nantes. Il est chercheur au laboratoire de thermique énergétique de Nantes, le LTEN. Et puis avec Bruno, donc, on va aborder l'angle formation parce que c'est important. Et puis, on voit aussi que les perspectives de création d'emplois dans la filière sont importantes. Le rapport de l'ADEME parlait de 58 000 à 107 000 emplois générés pour la filière d'ici à 2030. Donc, c'est plutôt bien pour nos étudiants, ça. Eh bien, oui, c'est des perspectives effectivement tout à fait intéressantes. Et nous, on a fait le choix depuis plusieurs années maintenant de lancer une partie de notre formation à Polytech Nantes, donc qui est l'école d'ingénieurs internes à l'Université de Nantes, sur, on va dire, les nouveaux vecteurs énergétiques, dont l'hydrogène. Et donc, on a un projet assez emblématique sur lequel on fait travailler nos élèves ingénieurs pendant leur formation. C'est effectivement un challenge, hein, le fameux challenge Polyjoule. Exactement. Donc, c'est une association d'étudiantes qui s'est créée il y a une quinzaine d'années. Ouais, c'est maintenant. Pas si récent que ça. Non, c'est pour ça, effectivement. C'est pionnier. Hein. Alors, oui, en fait, le domaine de la recherche, parce que c'est quand même cette activité-là où. On voit les images, là. Voilà. Est quand même très, très lié au fait qu'il y avait des compétences dans les laboratoires. Mais effectivement, c'est quelque part une vieille idée, enfin, qui a plus de 20 ans d'utiliser l'hydrogène. Autrement que pour les applications qui étaient citées tout à l'heure industrielles, d'aller plutôt vers de l'hydrogène utilisé pour l'énergie. Et donc, on a lancé il y a une quinzaine d'années, enfin, c'était d'abord à l'initiative des étudiants, c'est eux qui nous ont sollicité, qui ont eu envie de construire un véhicule innovant pour de la mobilité douce, parce que l'objectif, c'est de se déplacer à 30 km/h. Donc, c'est typiquement... L'idée, c'est de durer le plus longtemps possible avec le minimum de consommation. Exactement. L'objectif, c'est de se déplacer comme on se déplacerait en ville, donc plutôt avec des vitesses modérées, et puis de développer un véhicule tel que
il consomme le moins d'énergie. Donc dans le challenge, on a une quantité d'énergie qui nous est donnée. L'objectif, c'est de faire le plus de kilomètres. Et on a le choix avec... de l'énergie ou... Alors oui, c'est une compétition qui se fait. Alors, énergie, hein. Ouais, c'est important de le dire parce qu'on fait cette, c'est un partenariat qu'on a entre l'Université de Nantes et Polytech Nantes en particulier, et puis le lycée La Jolivrie, qui participe à cette compétition avec le vecteur essence depuis plus de 30 ans maintenant. Donc on a fait un partenariat il y a 15 ans, et donc nous on a décidé de développer un véhicule avec une source d'énergie qui soit hydrogène. Alors on peut aussi faire fonctionner le véhicule uniquement avec des batteries. En fait, on peut mixer, hybrider les énergies au sein du véhicule. Là, à l'heure actuelle, on est sur une version hydrogène et avec une petite hybridation sur le stockage. On parlait du stockage tout à l'heure. Hein. En général, quand on veut être efficace, on se doit, en tout cas, c'est toujours des bonnes idées d'essayer d'aller mettre en synergie les différents types d'énergie ou différents types de vecteurs, donc de stocker de manière intelligente pour consommer le moins d'énergie. Et lorsque nous avons échangé ensemble, Bruno, pour préparer à la fois cette émission et puis quelques semaines plus tôt le dossier de l'UN Business News, vous me disiez que les résultats obtenus par vos équipes étaient vraiment tout à fait significatifs et que vous aviez même trusté les premières places pendant pas mal d'années. Exactement. Alors on a eu la chance de faire un partenariat extrêmement efficace avec la Jolivrie qui nous a développé dans la répartition des compétences, il s'occupe du véhicule et du châssis. Donc, on a un véhicule extrêmement léger, donc qui fait que, effectivement, déjà la demande énergétique est faible. Et puis, en fait, assez vite, très très vite, on est devenu les premiers sur le podium et on a battu des records du monde de plus faible consommation d'énergie. Et donc, on est passé d'un type de véhicule, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail parce que c'est peut-être un peu technique pour ceux qui ne connaissent pas la compétition, mais il y a plusieurs catégories de véhicules. Il y a des véhicules prototypes très, très futuristes. Puis bon, on a gagné dans cette compétition, enfin dans cette catégorie-là. Puis on a décidé de passer sur un véhicule qui est peut-être le véhicule bleu qu'on a vu passer tout à l'heure. Qui ressemble plutôt à une voiture. Ouais, c'est ça. Ça s'appelle un Urban Concept dans la catégorie, qui est un véhicule dans lequel voilà, on voit un pilote qui est assis. Ce qui peut paraître normal, mais bon, ce qui est dans les véhicules innovants, les pilotes sont allongés. Donc là, le pilote est assis, il y a un essuie-glace, il y a de la ventilation, il y a des feux. Enfin, des feux dans le sens des clignotants. Donc c'est un véhicule qui ressemblerait un petit peu plus à un véhicule qu'on pourrait utiliser dans la vie de tous les jours. Alors, vous gagnez des prix, vous êtes sur le podium, ça c'est bien, mais au-delà de cette performance collective, et puis je pense que pour les étudiants qui participent au challenge, c'est une formidable aventure humaine et collective, il y a aussi un enjeu évidemment pédagogique et puis de recherche dans cette démarche. Oui, ben, en fait c'est un support qui est magnifique parce qu'en fait on peut tout faire. On forme des élèves ingénieurs. Donc nous, on en profite à Polytech Nantes dans deux départements de formation, donc génie électrique et puis thermique et énergie, pour dédier des projets pédagogiques sur 6 mois ou 1 an où les étudiants, en fait, on les accompagne pour développer les solutions techniques dans le véhicule. Donc c'est un projet de formation avec une pédagogie par projet, on va dire. Et puis c'est aussi très très en lien avec les savoir-faire des laboratoires. Donc ils ont été cités tout à l'heure, mais c'est l'IRENA qui est le laboratoire de génie électrique, qui est basé à Saint-Nazaire, et le laboratoire de thermique et énergie. Donc on a des compétences dans les laboratoires, plutôt sur la gestion de l'énergie, le développement de systèmes énergétiques, donc de chaînes de puissance. Donc ça c'est le côté IRENA, et puis des connaissances plus spécifiques sur l'objet et puis la combustible. Donc il y a des compétences dans les laboratoires, ce qui nous permet d'accompagner les étudiants et puis d'avoir des partenariats avec des entreprises qui viennent soit observer ce qu'on fait parce que ça les intéresse de savoir comment est-ce qu'une bande d'étudiants arrive à faire fonctionner un système comme ça, et où on teste aussi dans le véhicule des solutions qui sont développées par les entreprises. Alors justement, Christelle en parlait en vous présentant, les perspectives d'emploi sont importantes dans ce secteur. C'est une bonne manière aussi de mettre peut-être en relation vos étudiants avec des entreprises du secteur qui demain seront peut-être leurs futurs employeurs. Ben, c'est vrai que le secteur de l'hydrogène est un secteur encore relativement confidentiel, même si on sent qu'il y a une dynamique extrêmement forte. Mais c'est évidemment très intéressant pour les entreprises d'avoir des jeunes diplômés qui sont déjà un petit peu aguerris à ces sujets-là. Donc pour nous, c'est une manière d'accompagner aussi des projets professionnels d'étudiants parce qu'il y a quand même beaucoup d'élèves ingénieurs très très sensibilisés à la thématique de la transition énergétique. Il y a un effet générationnel. Exactement. Vous sentez vraiment depuis quelques années sur ces questions. Alors ça fait plusieurs années, ça fait 10-15 ans qu'on sent une lame de fond très très importante sur ces considérations et cette sensibilisation énergétique. Et donc des gens qui font le choix professionnel de gagner en compétences sur ces sujets-là. Et donc ils viennent
à Polytech Nantes, mais pas forcément. Mais donc, du coup, on les accompagne, on les forme. Après, ils vont dans les entreprises qui sont très intéressées par leur profil. Et puis après, des fois, ils reviennent nous voir avec soit des projets pédagogiques. Aussi, l'économie d'étudiants. Circulaire, d'une certaine manière. Et on recycle tout, nous. Exactement. Et oui, Olivier, vous souhaitiez compléter ou commenter cette démarche. Juste peut-être compléter. C'est vrai qu'on parle de beaucoup de Polytech, mais il y a en fait de très nombreuses formations au niveau de l'université de Nantes, mais aussi, on va dire, au niveau au Mans, à Angers, certainement aussi. Et puis d'autres écoles d'ingénieurs. Je citerai Centrale Nantes. Il y a aussi des formations dans lesquelles on parle beaucoup d'hydrogène, on va dire des énergies. À la Fac de Sciences de Nantes, il y a aussi des formations au niveau M2. Énergie nouvelle renouvelable, donc dont on parle beaucoup, où on parle beaucoup d'hydrogène, mais aussi de batteries, mais et d'autres technologies de stockage de l'énergie. Donc, vous voyez, il y a un ensemble de formations. Bien sûr, Polytech est peut-être phare de ce côté-là, parce qu'il y a aussi Polyjoule, mais il y a énormément de formations dans lesquelles il y a des modules, pas obligatoirement une formation hydrogène, mais des modules qui permettent à nos ingénieurs, à nos masters, d'avoir, un vernis hydrogène. Et ça, c'est très porteur. Dernière question, justement, Bruno Ovitti. C'est quoi la suite? Vous êtes sur... je crois que le challenge cette année n'a pas eu lieu pour des raisons sanitaires. Vous êtes en train de préparer une nouvelle édition et peut-être de relever de nouveaux défis encore? En fait, on a toujours envie de faire mieux. Donc, effectivement, on se met d'abord, avant tout, nous, des nouveaux challenges. Donc, c'est d'essayer de faire des choses qu'on n'a encore jamais faites. Et donc, on a, depuis 2 ans maintenant, on développe nous-mêmes notre pile à combustible. Jusqu'à présent, jusqu'à il y a 2 ans, on achetait la pile et puis on faisait toute la gestion énergétique autour. Là, maintenant, on s'est mis à développer l'objet en lui-même. Et donc, on travaille avec des sociétés qui nous proposent aussi des solutions sur certains éléments. Et donc, on fait des partenariats. Et donc là, c'est le challenge, c'est de réussir à courir avec notre propre pile. Ouais. Ouais. Et ça, il y a des verrous à faire sauter. Ce n'est pas si simple. Je crois que c'est une notion de pile à combustible. C'est quand même un objet qui n'est pas facile à manipuler, à appréhender. Hein. On n'a qu'à regarder, par exemple, les moteurs thermiques dont on a l'impression qu'ils fonctionnent très, très facilement maintenant. Ça fait 150 ans de développement technologique. La pile à combustible, les basses températures qui sont utilisées pour la mobilité, on est plutôt sur, on va dire une vingtaine d'années vraiment sur un secteur industriel grand public, si j'oublie tout le développement aérospatial qui était fait avant. Et donc, c'est des technologies encore assez jeunes. Donc, on se retrouve confronté à des problèmes qui sont les premiers problèmes de développement de ces technologies-là. Et donc, il y a effectivement encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et c'est cependant déjà des technologies relativement compétitives par rapport à... On entendait parler tout à l'heure de prix qui paraissent élevés par rapport au prix de l'énergie à l'heure actuelle, mais c'est quand même extrêmement compétitif pour des technologies relativement jeunes. Donc, c'est prometteur. Olivier ? En fait, dans la pile à combustible, qui est donc le convertisseur de l'énergie chimique de l'hydrogène en énergie électrique, il y a un type qui fonctionne très très bien effectivement pour la mobilité. On en a déjà sur les étagères, où il reste encore plein de choses à faire pour améliorer leur durée de vie notamment. Et puis à côté de cela, il y a une autre technologie qui est plus adaptée au stationnaire, qui fonctionne à haute température. On appelle ça les piles à combustible à haute température, tout simplement, qui permettent de produire de l'électricité, mais avec un rendement supérieur. Mais du fait de la haute température, il vaut mieux les utiliser en stationnaire parce que ça évite les montées et les descentes et les durées de vie à ce moment-là diminuent. Donc il y a 2 types, on va dire, de piles à combustible. Pour la mobilité, une pile à combustible, on appelle ça PEM. Et puis il y a l'autre type de pile à combustible qu'on va peut-être avoir dans nos maisons dans 10 ans, dans 20 ans. Il y en a déjà 100 000 au Japon, on se donne un exemple, qui sont utilisés dans les appartements ou dans les maisons et qui produisent de la chaleur. Parce qu'on a besoin aussi de chaleur. Et puis, bien sûr, de l'électricité, parce qu'on a aussi de plus en plus besoin d'électricité. Pour recharger notamment tous nos objets numériques nomades. Merci beaucoup, Olivier. Bon, il n'y a pas de voiture biplace, hein, parce qu'on aurait bien fait un tour avec Christelle un jour, mais non, c'est pas prévu. En serrant un petit peu, on peut y arriver. Bon, on va tester, promis, cette innovation. Et on suivra évidemment les performances de vos équipes au prochain challenge qui ne s'appelle plus Polyjoule, hein, c'est le Shell Eco-Marathon. Non, Polyjoule, c'est le nom de l'équipe. Le challenge, c'est le Shell Eco-Marathon. C'est ça. L'équipe Polyjoule à suivre. Voilà, on sait tout maintenant sur ce sujet, ouais, Christelle. On est au top. Xavier, dernier invité. Eh bien, dernier invité, on a évoqué tout à l'heure la pluridisciplinarité qui caractérise la recherche autour de ces questions. Et on va accueillir un chercheur qui est Pierre Tessier. Il est épistémologue et historien. Vous allez voir, c'est passionnant.
Bonjour Pierre Tessier. Voilà, vous enlevez votre masque sur le plateau. Vous, évidemment, on ne l'a pas précisé, mais nous respectons strictement les gestes barrières et les consignes sanitaires pour l'enregistrement en direct de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Pierre, alors je le disais en vous présentant que vous étiez professeur en épistémologie de l'histoire des sciences et des techniques et vous êtes le directeur du centre François Viette à Nantes. Alors vous allez pouvoir nous dire ce que l'on y fait dans ce laboratoire. Vous êtes historien et vous vous intéressez à l'hydrogène. On peut dire, tiens, c'est un curieux sujet d'étude, mais vous allez nous expliquer qu'en réalité, c'est tout à fait passionnant. Et quand on a échangé ensemble, vous m'avez éclairé justement sur tous les enjeux, allez, on va utiliser un mot à la mode, sociétaux, qui gravitent autour de ce sujet d'actualité. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous y intéresser comme ça à l'hydrogène? Et puis d'abord, peut-être nous dire ce que c'est que le centre François Viette, mieux que je ne saurais le faire. Merci Xavier. Beaucoup de questions. Hein, on va commencer par le centre François Viette d'abord. Hein. Le centre François Viette, c'est un centre de recherche en épistémologie. Donc l'épistémologie, ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est finalement une réflexion. C'est pas un mot qu'on emploie tous les jours dans les conversations de café. Hein, donc définir. C'est une réflexion sur la manière dont sont construits les savoirs, donc d'une manière par des instruments, par des équations mathématiques, par des symboles, enfin par tout un ensemble d'outils en fait qui construisent et qui permettent de construire les savoirs et qui peuvent changer d'une discipline à l'autre. Je pense que c'est un des points qu'on va pouvoir évoquer. Je m'inscris plutôt dans les sciences de l'homme et de la société, contrairement à mes collègues qui ont parlé jusqu'à présent, qui sont plutôt du côté des sciences de la nature et de l'ingénieur. Ou c'est les SHS, hein, comme on dit dans votre jargon. Voilà, moi j'aime pas trop les sigles, mais... Vous avez raison, moi non plus. Donc c'est ça, le champ d'étude. Ça, l'épistémologie, donc c'est cette réflexion globale sur la construction des savoirs et leur circulation, leur transformation. Et donc c'est couplé avec l'histoire des sciences et des techniques, qui est là aussi une inscription dans le temps des savoirs opérationnels, technoscientifiques ou théoriques, et qui là encore s'inscrivent dans des contextes, des contextes qui peuvent être sociaux, politiques, culturels, très différents. Et vous avez observé justement l'histoire de l'hydrogène sur une période assez longue, 1870-2020, c'est bien ça ? Encore plus long que ça, puisque ce qui m'intéressait, c'était la pile à combustible comme objet qui changeait de forme au cours du temps. Et donc ce qu'on considère comme les premières piles à combustible, qui ne sont pas du tout celles qu'on utilise aujourd'hui, hein, elles datent des années de la fin des années 1830, donc presque 200 ans. Et à l'époque, on a le graphique, effectivement, la frise qui apparaît à l'écran. À l'époque, c'est vraiment des petits joujoux, des joujoux. Pour les savants. C'est des objets pour les savants, effectivement, dans les laboratoires, dans les académies des sciences, qui cherchent à tester la convertibilité des forces les unes dans les autres. Et donc, c'est la question de est-ce qu'une force chimique est équivalente à une force électrique ? Et donc, au départ, c'est d'abord un artefact épistémique, au sens où on interroge la philosophie de la nature. On s'interroge, c'est ça, on va chercher les ressorts finalement de la nature avec un grand N. Exactement, et finalement elle change ensuite de figure pour devenir progressivement un objet industriel qu'elle est aujourd'hui, en passant par le projet de la NASA qui était... La conquête spatiale. La conquête spatiale. Apollo. Apollo 11, qui a développé, contribué à beaucoup développer aussi les piles à combustible pour générer de l'électricité dans les navettes spatiales. Alors, je sais que vous faites une analogie, je ne sais pas si vous l'avez faite aussi chez vous, vous considérez que la période où l'engouement qui s'exprime autour de l'hydrogène peut être d'une certaine manière comparé ou rapproché de ce qu'on a connu en France au début des années, fin des années 60, début des années 70 avec le nucléaire. Vous pouvez nous éclairer là-dessus ? Alors, effectivement, le parallèle qu'on peut faire, c'est la dimension politique, finalement, de l'hydrogène aujourd'hui, au sens où, on le disait tout à l'heure, c'est finalement des milliards d'euros investis dans le développement de la recherche et du développement, c'est vrai, mais aussi beaucoup dans le développement des infrastructures. L'hydrogène tel que je le comprends aujourd'hui et tel qu'on peut l'imaginer,
ça va être des développements de logistique extrêmement importantes en termes de taille des réseaux peut-être. Est-ce que ça va être des réseaux continus de transport de gaz ou est-ce que ça va passer par des camions? Est-ce qu'il y aura donc des citernes? Comment on installe des citernes? Donc tout ça, finalement, maille le territoire d'une manière très, très forte. Et pour développer ces infrastructures énormes, il n'y a que les États qui ont la puissance nécessaire et l'argent nécessaire pour développer ces infrastructures-là. Donc, sur le côté des infrastructures, je trouve qu'il y a un parallèle à tracer entre les années 70, enfin le 60 du nucléaire et aujourd'hui. Et on n'a pas forcément mis beaucoup l'accent ou la lumière sur ces, j'allais dire ces à côté qui n'en sont pas, mais cette dimension-là périphérique est tout à fait essentielle au bon fonctionnement de l'hydrogène. On a tendance à les laisser un peu de côté dans le débat. Oui, effectivement, ce n'est pas du tout périphérique. C'est là que les sciences humaines et sociales peuvent avoir un regard intéressant. C'est aussi de confronter les discours aux pratiques. Et, ou notre façon de le dire, finalement, les images aux réalités. Donc la question de l'image qui est véhiculée par l'hydrogène est assez intéressante, parce qu'effectivement, on parle beaucoup d'hydrogène vert, alors qu'en pratique, pour l'instant, on a que de l'hydrogène gris, sauf dans des centres d'essai donc de recherche et développement. Alors il y a un petit dessin de frappe là, qui vient de passer où il met en scène un lobbyiste. Est-ce que c'est ça finalement la question? Est-ce qu'on n'est pas face à des lobbies qui vont travailler un discours, des éléments de langage, un récit, un imaginaire? Je sais que ce terme, vous l'aimez bien, le terme d'imaginaire. Alors, je crois qu'on est dans typiquement ce qu'on appelle la démocratie technique, c'est-à-dire des questions techniques extrêmement pointues, des innovations. On a beaucoup parlé d'innovation depuis ce matin. Donc, une parole et un rôle de l'expert ou des experts en général, qui peuvent être gestionnaires comme spécialistes de sciences des matériaux ou développer des prototypes, qui finalement se retrouvent dans un environnement sociopolitique très très complexe où effectivement il y a des lobbyistes, mais il y a aussi les citoyens qui ne faut pas oublier effectivement, qui ne sont pas que des consommateurs, qui ont aussi des pratiques sociales, des représentations culturelles qu'il faut prendre en compte, je pense, pour pouvoir développer si on a envie cette nouvelle filière. Alors dans l'entretien que vous m'avez accordé dans le magazine, vous avez utilisé, en citant d'ailleurs son auteur, une formule très forte, hein, en qualifiant, c'est Bruno Latour, hein, qui range l'hydrogène, enfin qui utilise cette catégorie, et vous trouvez qu'elle s'applique bien à l'hydrogène, en parlant des innovations récalcitrantes, qui ne sont pas faciles à canaliser, si je traduis. Effectivement, donc ça c'était une réflexion générale de Bruno Latour, pour dire que finalement, les objets, les choses sont complètement indifférentes aux entreprises et aux perspectives humaines, et que à ce titre-là, contrairement aux humains entre eux qui peuvent s'influencer, se manipuler d'une manière très forte, finalement la manipulation des objets, ça marche pas bien, hein, se montre récalcitrante à l'entreprise humaine. Donc, Alors je me tourne vers vous, Bruno et Olivier. Olivier, quand on entend les précautions, la mise à distance aussi que Pierre Tessier utilise pour nous parler du sujet qui vous passionne, il est un peu empêcheur de tourner en rond dans cette histoire-là. Il vient vous titiller, au bon sens du terme? Je pense que c'est, il faut, hein, des gens qui prennent un peu de hauteur par rapport à l'hydrogène. Je pense que Pierre en fait partie. Mais il y a aussi quelque chose qui est important, hein, le particulier. Le particulier, je pense qu'il a, quand on parle d'hydrogène, il a souvent peur. Je pense que c'est, et ça, nous, en tant que chercheurs, je dirais qu'on passe à côté de ça. Mais en tant que, je dirais... Il est là pour rappeler les peurs de nos contemporains, Pierre? Peut-être, mais il est là aussi pour étudier et pour savoir comment est-ce qu'on peut peut-être essayer que le particulier n'ait plus peur. Ce qui est le cas, par exemple, dans certains pays européens où l'hydrogène apparaît comme une énergie nouvelle, alors que nous, on a encore cette, je sais pas, c'est peut-être dans notre ADN, la peur de cet hydrogène. Bruno ? Moi, ce que je trouve intéressant par rapport à l'hydrogène et par rapport à la réflexion qu'a amené Pierre-Yves, excuse-moi, c'est le fait que
on relocalise l'énergie. Parce qu'on ne peut pas considérer l'hydrogène si on ne considère pas la manière avec laquelle il est produit. Sur le long terme, pas dans la phase transitoire qu'on est en train de vivre, mais sur le long terme, l'hydrogène n'a de sens que s'il est produit de manière renouvelable. Et économiquement, ce sera viable, et même écologiquement, ce sera viable que si cette énergie-là reste dans un périmètre qui reste relativement, on va dire, allez, pour parler, on va dire régional. Pas de logistique trop importante. En fait, ça ne sera pas possible. Et du coup, il y a une manière comme on va relocaliser la production de l'énergie et l'hydrogène va faire partie de cette chaîne énergétique-là. Il y a une dimension citoyenne et de réappropriation de la question énergétique qui va être centrale. Alors qu'effectivement, avec le nucléaire, on avait plutôt... C'était plutôt des discussions étatiques, voire géopolitiques. Et il y avait une filière et tout un mécanisme et des stratégies qui échappaient ou qui pouvaient échapper aux citoyens. Là, avec l'hydrogène et son lien très fort avec les énergies locales et renouvelables, on fait se réapproprier par les citoyens, par les personnes. La question énergétique est une question évidemment centrale. Et si on veut rassembler l'ensemble, on parle aussi d'hydrogène jaune. C'est l'hydrogène qui est produit à partir d'électricité d'origine nucléaire. Et ça fait débat aussi, ça, et voilà, évidemment. Tout à fait. Vous souhaitez dire un dernier mot, Pierre Tessier ? Oui, même deux, si je. Allez, si, deux. Si j'ai le temps. On arrive presque à la conclusion de cette émission. Je pense qu'il y a effectivement l'importance des tendances lourdes, des tendances longues qui sont à l'œuvre dans nos sociétés. Et on est plutôt, jusqu'à présent, hein, ça peut changer effectivement si on arrive à mettre en œuvre une vraie transition énergétique. On est plutôt dans des tendances à la délocalisation des choses, à l'expansion des flux. Et de ce côté-là, j'ai vu par exemple que certaines prospectives de l'hydrogène, c'était de l'hydrogène fabriqué au Maroc pour l'Europe, parce que ce serait un hydrogène beaucoup moins cher et produit par le soleil et le vent. Et de la même façon, en Australie, production d'hydrogène pour l'Asie du Sud-Est. Donc effectivement, moi je suis tout à fait d'accord pour cette réinscription dans les territoires de l'hydrogène. Mais on peut craindre finalement aussi que cette géopolitique de l'hydrogène amplifie au contraire les flux internationaux. Voilà, car il est aussi question de géopolitique de l'hydrogène. On va terminer cette émission. On se retrouve juste après ça pour la conclusion. Alors, il devait y avoir un jingle, il n'y en a pas, donc c'est pas grave, mais je crois qu'il y a un dessin qui va bientôt arriver. Et voilà, on le voit se faire en direct, ce dessin. Et on parle de breton. On avait compris hydromel. Ah oui, mais ça, c'est bon aussi, mais ça ne fait pas le même usage. Voilà. Et merci beaucoup de nous avoir rejoints. Comme par magie, je suis de retour. Voilà. En réalité, le plan de plateau a été un petit peu bousculé. J'aurais bien aimé encore garder Pierre un instant, mais ce n'est pas grave. On va quand même conclure. D'abord, avant de conclure définitivement, moi, je voudrais vous demander à tous les deux, puisque vous êtes encore sur ce plateau, Bruno et Olivier, la perspective maintenant. Maintenant, les prochaines étapes, car il y a des rendez-vous importants. Je sais qu'il y en a de votre côté pour des nouveaux challenges, des nouvelles initiatives, Bruno, avec vos étudiants. Oui, on espère que ça va revenir tous les ans maintenant. Donc effectivement, c'est à l'horizon 2022 maintenant, participation à ces compétitions. L'année prochaine. L'année prochaine, mais il y a encore un an de travail avec... Avec cette nouvelle pile à combustible fabriquée chez vous. Oui, avec un partenariat, avec une jeune entreprise qui est dans la région de Toulouse, pas chez nous, mais qui s'appelle AICO et avec lesquelles on va essayer de... Ouais, ça va tellement bien se passer que vous allez voir qu'ils vont délocaliser leur siège jusque chez vous. Voilà, on en reparlera. On va suivre ça. Et avec vous, Olivier, il y a des dates aussi à noter sur nos agendas pour celles et ceux qui continuent de se passionner pour ce sujet. Ça sera oui, à la rentrée. Le 20 septembre, au Mans, la métropole du Mans, qui organise une rencontre régionale avec tous les acteurs académiques. Donc sur une journée, l'ensemble des acteurs académiques qu'on a vu tout à l'heure, qui va de l'école centrale à Polytech et au laboratoire de recherche, bien sûr. Donc ça, c'est le 20 septembre et à la veille d'un symposium qui va se passer aussi au Mans avec les acteurs plutôt industriels de ce côté-là. Voilà, donc là, un rendez-vous très important qui va être un coup d'envoi en présentiel. Ça va faire du bien pour bien dynamiser la filière. Tout à fait. Voilà, merci beaucoup à tous les deux. Alors effectivement, Christelle, on arrive au terme de cette émission et on ne peut pas se séparer sans procéder à de très nécessaires et très sincères remerciements, je crois. Déjà, je vous remercie, Xavier.
en premier lieu pour votre bonne humeur et enthousiasme, et puis pour ce dossier que vous nous avez permis de réaliser avec nos chercheurs. Moi, j'ai été simplement à l'écoute de grandes compétences que vous avez justement tout autour de vous. Vous avez beaucoup de chance. Donc, merci à tous les intervenants, et puis merci aussi à Frappe, qui a été très prolixe et qui nous a fait plein de dessins. On va essayer de alors, ça s'est passé tellement vite que je n'ai même pas eu le temps de les voir. Je vais faire le replay également. On les mettra en ligne, évidemment, sur le site internet de l'université. Merci beaucoup aussi aux équipes du SPIE et de la DRPI, la Direction de la Recherche, des Partenariats et de l'Innovation, mais également l'équipe de la Direction de la Communication, Jean-Marie Carré, Julien Patron, et puis Émilie Ragouet pour l'habillage graphique de cette émission. Voilà, et puis aussi un grand merci surtout aux équipes de Live Events et Romain Lecomte en particulier, et la Cité des Congrès qui nous invitait aujourd'hui à réaliser cette première émission et qu'on espère suivie de nombreuses autres. Exactement. Voilà, on rappelle évidemment la publication de ce numéro spécial hydrogène que vous pouvez trouver en ligne et en version papier. Je crois qu'il y a combien, 800 exemplaires qui ont été imprimés. Oui, exactement. Voilà, donc vous pourrez aussi le retrouver. Quant à moi, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live jusqu'au bout. Vous pourrez évidemment dans le dossier trouver des coordonnées fort utiles pour prolonger la réflexion, entrer en contact avec tous les intervenants qui se sont succédés parfois trop rapidement sur notre plateau pour aller encore plus loin dans la connaissance de cet écosystème de l'hydrogène à Nantes. Voilà, bonne fin de journée, bel été, un été plein d'énergie, décarboné. À bientôt. Merci, au revoir.